les étudiants, dans le cadre de ce TP, ont pour objectif de doser un pesticide qui se trouve dans notre eau de ville. Et pour cela, ils utilisent des techniques avancées comme la chromatographie haute performance et la spectrométrie de masse en tandem ou la spectrométrie de masse haute résolution. L'UVBT06, qui s'intitule « Analyse donc, des produits biologiques et agroalimentaires », a pour objectif principal d'acquérir un certain nombre d'outils, de savoir-faire dans le domaine analytique pour pouvoir ensuite analyser donc, différents types de produits, aussi bien des produits pharmaceutiques que des échantillons environnementaux ou des échantillons aussi issus de l'agroalimentaire. J'ai choisi cette UV parce qu'on y apprend plein de techniques différentes qui seront utiles au cours de notre vie d'ingénieur ou de scientifique. Donc on y apprend des techniques aussi bien chimiques, biochimiques que biologie. Au cours du TP, les étudiants vont déjà faire des étapes de purification d'échantillons avec des colonnes d'extraction en phase solide. Puis ensuite, ils vont utiliser de la chromatographie liquide à l'aide d'appareils de type recherche, de chromatographie haute performance Agilente et un spectromètre de type temps de vol, qui est un spectromètre de masse de très haute performance parmi les appareils les plus spécifiques du marché. On a l'occasion de découvrir plein de procédés, des machines très performantes, etc. Et donc de toute façon, c'est utile, ces techniques-là, on ne peut pas s'en passer quand on travaille dans des laboratoires. Que ce soit en industrie, en recherche, c'est nécessaire. Les étudiants ont la chance d'utiliser un appareil de type spectrométrie de masse haute résolution de technologie temps de vol. Ce type d'appareillage-là est un appareillage typé recherche, qui est un instrument relativement coûteux que nous avons pu acquérir dans le cadre du plan État-Région. On a énormément de chance de pouvoir faire ce TP au sein de nos laboratoires de recherche. Ce qui permet aux étudiants de pouvoir utiliser donc des outils, des machines, on va dire, très, très modernes, qui sont utilisées dans l'industrie à l'heure actuelle. Et donc, ils peuvent vraiment mettre en pratique ce qu'ils ont vu en théorie donc, en cours, donc pouvoir mettre en pratique sur des appareils qu'ils utiliseront plus tard, soit en stage, soit dans leur vie future, leur vie professionnelle future.